Alors, on va essayer maintenant de retrouver Paul, qui est en duplex au Millésium d'Épernay. Paul, apparemment, alors qu'est-ce qui se passe derrière toi? Je vois un petit peu de monde, mais j'ai l'impression que tu as retrouvé notre public. Alors oui, Romain, je suis actuellement au Carrefour des Stars, qui se situe au Millésium à Épernay, comme vous pouvez le voir derrière moi. Bon, je t'avouerai qu'il y a une foule immense, elle s'étend sur des mètres, je peux même pas te dire. Mais heureusement, nous, on a une accréditation, ce qui nous permet d'aller derrière, de jouer avec les stars, de tout faire, d'être en backstage, tout. Et grâce à nous, vous allez voir ce qui se passe en exclusivité derrière. Pour qui vous venez ce soir comme personnalité? Pour tout le monde, même Slimane, en conséquence. Voilà. Désolé, il n'y a pas Mylène Farmer ce soir. Et toi, tu viens voir qui comme personnalité en particulier? Amir et Slimane. Et vous, monsieur, vous venez voir Chaim? Oui, bien sûr. J'espère qu'elle viendra me voir à la fin pour me faire un bisou. Chaim, le bisou pour monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez chanter et danser ce soir? Bien sûr, on est là pour ça aussi. Du coup, vous pouvez me chanter un petit refrain? Non, je connais pas les paroles. C'est quoi cette chanson? C'est Slimane avec Léa Castel. Ah, ok. D'accord. Celle d'Amir, je sais plus, on ira, je crois. On dirait. On dirait. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Bien joué. Franchement, on peut les applaudir. Hein. Bravo, félicitations. Faire quoi ce soir? Aller au concert. Tu viens chanter? Non. Non? Tu viens pas danser non plus? Non. Tu viens juste t'asseoir et regarder? Oui. On dirait que dans le monde on a tous un ange, on dirait. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans un monde étrange, on dirait. Bien joué. Bravo, champion. Voilà, déjà là, t'as chanté. Donc tu m'as menti. Tu m'as dit que tu chanterais pas ce soir. Oh, c'est une arnaque. Vous venez chanter et danser? Ah, bien sûr, bah oui, on est venu là. C'est la fin du... c'est le week-end, on est venu pour s'amuser. Mademoiselle veut à manger. C'est ce qui importe, c'est le manger. Elle vient au Carrefour des Stars pour manger. Bon, en tout cas. Fallait s'y préparer, hein. Et du coup, vous pouvez me montrer la petite danse, votre petite danse que vous allez faire ce soir? On est des Ardennes. Je ne dis rien, moi. Vous faites ce que vous voulez. Hein. La grappe. T'inquiète, je reviens, Joyce. Je rêve encore. Je veux un tout petit peu plus de voix, du coup. Tout petit peu. Moi, je peux t'en donner de la voix. Je veux pas de toi. Voilà. Un peu, s'il te plaît. Après, alors. Alors bonjour, pour ceux qui ne te connaissent pas comme certains parents dans la foule, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Slimane. Alors est-ce que tu es prêt pour ce soir? Parce que tu sais, ici le public dans la région, ils sont vraiment au taquet. Oui, je sais, je suis déjà venu dans la région en plus, donc je suis très content, j'ai hâte. Il y a certains membres du public qu'on est allé voir tout à l'heure qui t'embrassent, qui est très fort. Ouais. Et le message, du coup je te passe le message. Je fais un gros bisou. Entre nous, t'es plutôt champagne ou champagne FM ce soir? Plutôt champagne FM parce que je suis plutôt rhum que champagne. Ok, bon, en tout cas, je te souhaite bon courage pour ce soir. Et un grand merci. Et entre nous, la meilleure émission c'est... la grappe. Merci. Merci. Bon alors Amir, entre nous, on dirait que c'était mieux que l'Eurovision ou pas? C'est toujours mieux que l'Eurovision du moment qu'on chante avec des gens qui nous connaissent, qui connaissent la chanson, et puis c'est même pas une atmosphère de concours, c'est juste pour se faire plaisir. Mais j'aurais pas pu avoir tout cet amour ce soir si j'avais pas fait l'Eurovision. Et je me souviens très très bien de l'année dernière, juste après l'Eurovision. Alors mes chansons étaient moins connues, mais les gens se rappelaient de ce qui s'était passé, ils étaient tellement fiers et contents qu'ils ont... a donné un accueil fantastique. Ouais. J'étais un artiste débutant, mais le public était là au rendez-vous comme ce soir. Okay. Et ça, j'oublierai pas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup venir dans ce plateau de Champagne FM. Et bien, merci à toi, Amir. Merci à toi.
Alors, je suis Babou, je suis la chargée de promo et partenariat de la radio Champagne FM et je m'occupe également de toute la logistique des plateaux Champagne FM et de toutes les délocalisations antennes à l'extérieur. Et du coup, quel était votre rôle ce soir ? Ce soir, on va dire que j'ai fait un peu de régie. J'étais un peu la régisseuse du plateau. Vous êtes contente de vous, de cette soirée justement ? Oui, je suis contente, ça s'est bien passé. Les auditeurs sont repartis avec le sourire, les artistes avec le sourire, c'est le principal. Justement, ce concert soit terminé, entre nous, c'est plus Champagne ou Champagne FM maintenant ? Là, maintenant, ça va être... J'ai le droit de le dire. Oui. Oh, du champagne, ça va pétiller là. Ça va pétiller. Donc oui, c'est vrai que c'est toujours particulier de monter sur scène devant 9000 personnes. Après, on sait que c'est nos auditeurs, que ce sont nos auditeurs, donc on n'a pas envie de les décevoir. Donc le premier passage sur scène est un petit peu difficile. J'ai mon cœur qui bat à 3000. Et après, ça se déroule tout seul. Et franchement, c'est que du bonheur. Vous aussi, vous êtes choqués comme les stars de la foule qui est vachement dedans à crier, enfin comme jamais. Oui. Après, ça ne m'étonne pas dans le sens où j'étais à leur place il y a encore quelques années et moi aussi, je criais comme une folle et j'étais à leur place. Du coup, ça fait bizarre d'être moi-même maintenant présentatrice de ce genre d'événement. Mais encore une fois, c'est que du plaisir, que du bonheur. Maintenant que le spectacle est terminé, ce soir, c'est plus Champagne ou Champagne FM ? Champagne. Champagne maintenant. Clairement Champagne. Ça reste entre nous. Ouais, voilà, ça reste entre nous, voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette soirée et puis d'avoir présenté comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour votre présence. À bientôt. Ben oui, à bientôt. Et bien voilà, le Carrefour de Stars, c'est terminé. On a rencontré pas mal de stars, mais pas toutes malheureusement. Mais bon, on a quand même passé une excellente soirée. Le public était content, tout le monde était content. Et c'est ce qu'on en retient. Et on espère très vite que l'année va passer pour qu'on retourne l'année prochaine au Carrefour de Stars. Merci beaucoup Paul pour ce reportage sur le Carrefour de Stars. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Plus de vidéos très prochainement en intégralité sur le Carrefour de Stars parce qu'on a pas mal de choses aussi à vous montrer.